Salut, salut! En direct de mon atelier avec Cassiopée qui décide toujours de vous faire une belle accueil. Parce que mamzelle, elle décide que... Un bout dans mon bol d'eau. Comment ça va, gang? Je vous laisse le temps un peu d'arriver, comme à chaque fois. Après ça, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Puis, j'espère que je vais voir vos commentaires ce coup-ci et que ça bugera pas comme la dernière fois. Salut, Émilie! Malheureusement, elle va être encore de côté parce que ça marche pas, mon affaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez apprécier avec le temps. Je vous laisse le temps d'arriver encore un petit peu, puis je vais procéder au tirage. Cassiopée vous dit bonjour. Salut, Alexandra! J'espère que vous passez un beau vendredi soir, puis que vous avez une coupe de vin ou quelque chose avec vous. Moi, j'ai pas encore soupé. Fait que je vais me dépêcher d'aller vite, vite, vite pour manger. Non, non, c'est des blagues. Salut, Brigitte! Donc, c'est ça. Brigitte, j'ai-tu oublié de t'écrire en privé? Je pense que oui, hein? Salut, Lise! Salut, Nicole! Passez un beau vendredi. C'était terminé. Bye! C'est pas vrai. Écoutez, je suis fatiguée de ma semaine. Fait que ça se peut que je dise des niaiseries comme toujours, comme je suis capable de faire. Hein, vous me connaissez. Fait que... C'est ça, puis si je pogne des fixes, parce que je t'ai endormi. Bon, sans plus attendre, procédons au magnifique tirage. Je ne montrerai pas mon code d'iPad. C'est une annonce. C'est pas le 22 avril, j'ai juste pas changé la date. Êtes-vous prête? Salut Diane, salut Michel. Ouais, Cassiope a décidé de quitter, elle a eu peur. Et c'est parti! Bravo, Sonia! Sonia, j'ai communiqué avec toi pour pouvoir te donner ton cadeau. Ça me fait plaisir de te donner ces belles items, ces beaux items-là. Je vous l'ai dit, hein? Salut, Joanne, ça se peut que je déparle. Alors, bravo, Sonia, pas de triche. Si vous voulez regarder la vidéo, vous allez voir que je ne triche pas. J'ai fait tourner la roulette, alors je mets ça de côté pour Sonia. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai dit que c'est une surprise. Quand on dit surprise, dit Cindy, c'est pas préparé. Non. En fait, j'ai le goût de faire ça avec vous. Un petit... le chien, ça va être beau. Un petit... voyons. Il appelle ça un organisateur de disque. En tout cas. C'est ça. Ben, je vais pondre. Je vais pondre un œuf. Non, non. Oh boy, ça arrive, je vous dis, ça promet. En fait, c'est un organisateur à mettre sur le bureau pour placer des choses dedans. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, le produit fini. C'est ça. Ouais, ça, je vous l'ai dit, hein, ça se peut que je sois mêlée aujourd'hui. Donc, la dernière fois que je t'ai mêlée dans le plan, je vais l'étudier. Il y a deux morceaux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, un gros comme ça et deux comme ça. Ça n'aurait pas été si pire que ça à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir. Bonsoir, vous êtes polis. Un, pièce 1. C'est bon, à date, je suis pas trop mêlée. Pièce 3. Ça va aller ses côtés. Puis là, je vous rappelle, hein, quand on travaille le MDF... Hey, sérieux, mon chien, maintenant... C'est quoi qu'elle a, Fred? Elle fait juste respirer. OK, d'accord. Ça, c'est la base. Ça, c'est celle-là. Les petits. C'est le numéro 5. Puis, celui-là, c'est le numéro 4. Ça devrait pas être si pire. Hein? Fafa, ouais. Salut, Karine. Je vais essayer. Puis, dans le fond, il y en a... Je vous ai demandé la liste de produits que vous aimeriez savoir quoi faire. Ben, il y en a qui ont... Oui, oh, Seigneur, j'ai envie de me battre avec... Il y en a qui ont le goût de savoir quoi faire avec les patrouilles. Ben, je vais m'amuser avec ça. Je vous rappelle que les MDF, je les jette pas. Je les garde toujours parce que c'est une bonne façon de bien fonctionner. Bon, les trois, c'était ceux-là. Ça va comme ça, puis on met des cinq de ce côté-là. À date, c'est pas si pire. Fait qu'on va mettre de la colle, puis ça va aller là. Hein. Pour l'instant, là, ça va bien. Une chose pas un meuble parce que... Ça serait quelque chose. Salut, Cynthia! Donc, je rappelle que quand on commande les kits de MDF, ben ils viennent avec la colle.
Puis là, je pense que j'ai déjà utilisé, fait que... Voilà, fait que ça va comme ça pour l'instant. Commençons à tout défaire. La dernière fois, je sacrais. Je vais essayer de pas sacrer. Salut Isabelle! Isabelle, j'ai toujours pas eu tes photos de salle de bricot. Quoi? La pression? Je l'ai-tu dit que je pogne un arbre à colle souvent? C'est le moment, là. C'est le moment. Dites-moi donc ce que vous êtes en train de faire ce vendredi soir à part m'écouter. Parce que vous pouvez m'écouter en background. Pas obligé de m'écouter tant que ça, moi, là. Bon. Voilà. Le petit tube, il va aller de côté, puis on va en prendre un autre. On va essayer d'être... pas trop pogner les nerfs. Salut, Marjolaine! Ouais, dites-moi donc ce que vous êtes en train de faire en ce beau... vendredi. Hey, sérieux, ça va être beau? Comment utiliser la patience à Cindy de cette façon? Après la colle. Je sais pas s'il y a gelé dans mon... Je vais prendre lui. Je vais y refaire son petit trou. Ouais, dites-moi donc, c'est quoi vous faites? De la bouffe avec ma fille. Commande de cartes de fête des mères. Ah, oh, ça, c'est le fun! Pâté mexicain au four. Super. Moi, je vais manger, je pense. Je me souviens même plus ce qu'on mange pour souper. Des patates douces avec des côtelettes de porc, si je me trompe pas. Ça se peut que je me trompe, hein. Vous savez. C'est bon, ça. Il y en a qui le font ensemble avec moi. En même temps, on aime ça. Je pense que ça a marché, mon... Pas pantoute. Espèce de peau de bouette. Oh, yeah, j'ai eu. Bon. Donc, je fais juste les petits coins parce que c'est ça qui va embarquer, mais je pense que je les mets pas tout de suite. Je peux les mettre tout de suite. Quoi, bref, ça se peut que le live il dure 10 heures si c'est tout le temps que vous avez. Que je suis vraiment en train de focailler, hein. OK, c'est bon parce que ton mari, il va me trouver plate, Caroline. Avec les écouteurs, ça, c'est mieux parce que les maris d'entendre parler la petite madame qui parle tout le temps, ça doit pas être le fun. Je vais t'y en mettre un petit peu ici, ici. Puis, je colle ça. Voilà, parce que j'ai lu que ça allait là. J'ai lu. Mais voyons. Puis là, mes chats, ils se battent en arrière parce qu'elle est revenue de son accouplement, la petite mamzelle. Fait que là, elle fait du bruit. Elle fait du bruit. Salut, Julie! Donc, est-ce qu'il y en a qui sont en train de prendre une petite coupe de vin durant ce magnifique temps? Oups! Fred, es-tu capable qu'elle arrête de japper? Ouais, mais ça tanne. Elle fait comme beaucoup de jappes. Voici la réponse de mon chum. Elle joue avec sa mère. Fait qu'il faut la laisser jouer. En tout cas, c'est ça, avoir un zoo. Ça fait du bruit. J'espère que vous allez me pardonner. Ah! Oh, yes, une coupe de vin. Moi, j'en prends pas. Je bois pas vraiment. Je fais super attention à ce que je mange. Fait que là, je bois pas. Hey! Wouhou! Regarde, du premier coup, c'est fait. Tchouk, tchouk! Il nous reste ces petites affaires-là à mettre là. Après ça, les petits au bout. Ça va être parfait. Donc, allons-y. Le truc le moins le fun là, à faire, là, finalement, c'est mettre la colle. Parce qu'elle colle, elle colle bien, mais quand on l'ouvre... Ah, oh, whisky, ça, c'est bon. Lequel? Dis-nous quelle sorte de whisky. Moi, je m'en mets des gin tonic. Des fois, quand je triche, j'en fais un. Mais bon. Je triche pas souvent.
Voilà la colle. En fait, le plus long, c'est de faire ça, hein? Quelle couleur qu'on met ça? Dites-moi pas jaune, c'est sûr. Est-ce que tu caramel, ça, c'est bon? Ça met de l'ambiance, les chiens en arrière. Hey boy, toute qu'une ambiance, Brigitte. Je pense que j'aime moins cette ambiance. Là, ils se sont calmés. Là. Ça va être les chats qui vont se battre dans pas long. Orange, non. Y a mes chats aussi qui jouent dans mes bacs en dessous de la table. C'est ça qui fait un vacarme. Ah oh, oui! Coureur des bois, mais gin tonic aussi, c'est bon. Les deux. Les deux, c'est excellent. Bon, ok, c'est assez. Je vais être obligée d'aller me chercher à boire. Puis je bois pas. Ben, en fait, j'essaie de pas boire. Mais là, vous écoutez, je vais aller boire. Tout de suite après. Ah, voilà. D'après moi, ça va coller plus que l'autre fois. Et non, on ne mettra pas ça orange, là. J'ai le goût de le mettre un petit peu plus rouille. Donc, si je mets ça rouille ou vieilli, quelle couleur qu'on va mettre ça? Et la petite colle, là, elle me fait pogner les nerfs. Ah, hein, c'est le silence. Mes animaux, pour moi, ils dorment. Yeah! C'est une fausse joie. C'est pas grave, hein, si ça déborde parce que elle est transparente puis je suis peinture par-dessus. Moi, ce que je voulais dire tantôt que j'ai commencé puis j'ai pas fini, c'est que quand on joue avec le MDF, on est mieux de coller avant parce que sinon ça gondole tout. Puis sans les peintures, on sera pas capable d'emboîter les trucs. C'est toi qui en as parlé. Ah, oh, tu changes avec le temps. Ouais. En fait, Brigitte, quand je fais attention à ce que je mange, je bois pas bien. Parce qu'il y a énormément de sucre dans l'alcool. Si vous le saviez pas, je vous l'apprends. Mais d'après moi, vous le saviez. Allez, à date, ça va bien. C'est juste la colle qui me faisait pogner les nerfs. Puis là, tadam, c'est si magique, ces petites affaires. Turquoise, ouais, ce serait bon. Tu fais quoi là? Je colle un petit. Un petit peu, regarde. Ça va nous faire un petit desk, puis là, on va venir le travailler en mix média. C'est ça que je fais. On va essayer que ça soit beau. Sinon, ben, vous pouvez quitter le live à tout moment quand vous trouvez ça laid. C'est bon, ça? Maudit bon deal. En fait, ça risque d'être plus tannant de m'entendre se fâcher après la colle. Fait que là, c'est vendredi. Il y en a qui boivent, il y en a qui n'ont pas soupé, il y en a qui m'écoutent avec des écouteurs. Il y en a-tu qui ont c'était du scrapbooking pour la soirée? Salut, Jannick! Hey, je vous l'étudie, je me suis inscrite pour le tournoi. Je l'ai pas oublié. J'y ai arrivé à pas l'oublier. C'est bon, hein? Fait que vous êtes mieux d'embarquer, vous autres aussi, puis vous inscrire. Mettons, là, que c'est un bon tournoi. Super le fun! Voyons. Il y a une chose que je change pas, Brigitte. C'est pogner les nerfs après. Non, là, là. C'est magnifique qu'ils viennent avec de la colle, mais. Je pense que j'aurai plus de doigts à la fin. C'est une colle qui sèche quand même vite, fait que je peux travailler tout de suite après. Phew! Je pense que j'y est arrivé.
je sais pas. Yannick, on a jusqu'à quand pour s'inscrire à ton tournoi? Elle va nous répondre. Ah, je suis inscrite. J'ai reçu les deux kits. Yeah! Les deux kits. Il y a des kits. Vous voyez bien que j'ai manqué un épisode. Yeah, oui, le citron, c'est les plus beaux. Puis le tournoi, c'est tellement le fun. Mais j'ai juste pas regardé quand j'ai commandé. Oh, il était peut-être pas déjà arrivé. Ça se peut. En tout cas, bon, bref, je les commanderai. Pauvre Yannick, elle va être encore obligée de travailler. Ah, oh, jusqu'à... C'est bon que Yannick, elle ne sache pas. C'est jusqu'à quand. Elle fait dire jusqu'à demain. Si vous n'avez pas vu le commentaire. Bon, super, on a réussi à coller. J'ai réussi à coller, mais bon, je vous inclus. Je vous inclus dans patente. Bon, bon, bon. Soit qu'on met des papiers, ou soit qu'on y va dans le vieilli, mais moi, j'irais plus dans le vieilli. Sauf que... Des fois, vous trouvez ça long. Ah, je vais y aller avec les peintures de Fabrica. Laiteux, puis oui. Comme ça, vous allez aimer ça. Oui, de chipboard. Ah, OK! C'est bon, je les ai pas vus, les kits du tournoi de chipboard, fait que... Merci, Lise. Ça va encore me coûter des sous à cause de toi. Je vais être obligée de commander. Non, faut que je vais aller choisir mes peintures. En fait, bon, mes chiens se sont réveillés. Je vais m'amuser avec les rouilles puis les laiteuses. Je me suis pété les doigts longs à cause de ça. Il y en a qui disaient turquoise. Je prends souvent turquoise. Mais c'est pas grave, vous aimez ça. Ouais. Écoute, j'étais en train de me péter les doigts. Fait que là, je vais sacrer sur mes doigts. Bon. Fait que là, ce que je disais, je veux mélanger les peintures velours avec les peintures... rustique rouille. Celle qui m'a demandé, là, si ça s'utilise de la même façon que les pâtes Finabert. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. C'est pour cela. Bon. Je pense que j'en ai trop. C'est plus long à faire. Et je suis faite de même. C'est gentil. C'est gentil, ça. Gris. Gris ou beige. Là, ce qui est le fun de cette peinture-là, vous allez voir... En tout cas, puis celle-là. Là, on va commencer par les velours, puis après ça, on va s'amuser avec le rustique. Mais là, je vais tout peinturer en velours. Après ça, on va ajouter un peu de métal ici, au devant. Puis après ça, on va pouvoir... Non, pas vert. Là, les filles, l'autre fois, j'ai fait du jaune. C'est assez... Assez. Là, c'est moi qui choisis. Non, mais j'y vais dans le turquoise. Comme ça, je vais être contente. Salut Myriam! Puis, je vais y aller avec le plus... C'est vert turquoise. Donc, la peinture est comme... là, peut-être qu'elle est comme... est due pour être mélangée un peu plus, mais ça a un effet velours laiteux. Sérieusement, je les vendrais mes chiens en ce moment. Fait que là, je vais venir y mettre une couche. Ça sera pas super beau, la couche de fond, mais je vais, tu sais, on va s'amuser avec les autres couleurs. Fait que c'est pour ça que c'est pas grave si c'est pas opaque, opaque, opaque. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse des choix, ben, je vous écouterai pas. C'est comique, hein? Je n'irai pas peinturer l'intérieur parce que le but, c'est que ce soit l'extérieur qu'on fasse pour décorer. Parce que ça va sur un bureau ou quoi que ce soit, puis ça va être rempli. Donc, c'est pas nécessaire de peinturer l'intérieur. Je veux décorer. Cassiopée vous dit bonjour. Ah, elle veut venir peinturer. Vous voyez, ça fait comme... un effet qui... ils disent velours, mais moi, je trouve que ça fait un effet poteux.
Puis, t'aimes pas ça, le chat? Ça couvre bien. Oui, non, regarde. Et on voit quand même une bonne épaisseur en dessous, mais je veux comme mélanger les deux turquoises. Fait que ça va bien aller. Je travaille en cabochonne. À entendre, là, Cassiopée, ou à voir aller Cassiopée, elle a jamais d'eau ici. Elle est tout le temps dans mon pot d'eau à chaque fois. Salut, bon souper, Sarah. Super, mais on a juste monté la boîte, puis commencé le reste. Je ferai pas en dessous de la boîte non plus. Je vais peut-être le faire après quand je vais tout faire le fini, mais je pense pas que ça soit nécessaire de faire tout le en dessous présentement parce qu'on veut venir travailler le. Si je mets l'intérieur, mais je trouve qu'on perd un peu le l'effet de boîte là. Fait que pour moi, c'est juste l'extérieur qu'on va venir bricoler. Non, c'est pas de la peinture, c'est de la peinture velours. Fait que quand ça sèche, ça fait comme un fini velours. Mais il y a certaines couleurs qui sont plus. J'essaie d'expliquer le mot de la texture, là, mais sont plus en moton. Ça dépend des couleurs et des pigmentations. Bon, voilà. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. Ouais, ils sont tout le temps après maîtresse, les chats. Je vous le dis. Si vous voulez un chat, j'en vends des pas chers. Non, non, je fais des blagues. Non, non, je fais des blagues. Qu'est-ce que Pyrrhus cite? Et juste un nom. Donc, je vais sécher un petit peu pour pas que ça soit trop long. Puis, je vais m'amuser avec l'autre couleur. Comme c'est craft, ça va être beau, mais je pense que je vais faire en dessous, je vais le faire en bleu, sinon ça va être trop laid. Quelle marque? C'est de la Fabrica des Corus, Brigitte. C'est une marque que je commande en Ukraine. J'aime bien. J'aime bien. Si jamais t'en veux, je peux t'en trouver, tu peux m'en demander en privé. Je viens de faire une commande lundi, mais il y a moyen là, de refaire une commande bientôt. Pour celles qui ont pas qui ont regardé les lives de cette semaine, j'avais des kits cartes, pas cartes, je suis mêlée, des kits pages. Salut Sonia! Sonia, tu as gagné le prix, vu que tu arrives. Je te donne l'info. Des kits de papier que j'avais fait, il m'en reste un jaune et deux bleus. Donc, n'hésite pas à venir me le dire ou à regarder là, sur ma page parce que ça part quand même vite. Fait que si tu en veux un, c'est au coût de 20$. De 20$. Bon, alors, ça sèche un petit peu. J'ai changé l'autre couleur. D'habitude, ils sont plus liquides un peu. Fait que ça veut dire que peut-être j'avais mal fermé mes pots. J'aime mieux peinturer au pinceau sec, moi, mais c'est vraiment à votre goût. Il n'y a pas une grosse différence, hein? Fait que là, je vais juste m'amuser à faire un. Je le fais pas partout, je vais juste ajouter une petite touche pour faire un dégradé. Oh, super! C'est bon. Fait que finalement, il me reste trois kits bleus, un kit jaune. Tu gagnes, je te le montrerai tantôt, Sonia, mais c'était le prix qui était attiré. Salut Vicky! J'avais pas vu que tu t'étais branchée. Fait que là, il y en a qui boivent du vin. Il y en a qui écoutent la télé. Avez-vous une grosse fin de semaine en vue? Qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement que la plupart, vous allez aller faire vos commissions demain. Parce que tout est fermé dimanche. Ou non, tout est fait. Dites-moi donc ça, là. Donc... Je vais laisser sécher un petit peu, puis je vais aller chercher mes embellissements de métal pendant que vous me répondez sur qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine. Puis, Sonia, c'est ça que tu gagnes. Voilà. Qu'est-ce que moi, je vais travailler? Ouais. Janick, elle travaille tout le temps.
Ah, oh, c'est le fun de se scraper. Moi aussi, il faudrait que je scrape plus cette main-là. J'ai quand même scrapé un peu, mais il faut que je me pratique. Je ferai pas des lives sur le tournoi Lemstron, hein? Moi aussi, j'ai travaillé toute la semaine. Je travaille pas en fin de semaine, mais je travaille la semaine prochaine, par contre. Donc, embellissement. Ah, oh, je vais aller me chercher un chipboard aussi, je pense. Mais je ne suis pas certaine. Ouais, je pense que je vais ajouter ça. C'est pas un chipboard Lemstron, je calme pas, Yannick. Je vais faire de la bouffe, monter la trampoline. Ah, oh, ça c'est le fun. Puis initier ta fille. Super, ça. Tu parles d'une belle nouvelle. Donc, je vais prendre ce chipboard-là. Puis des trucs en métal. Je sais pas si j'ai le goût d'en mettre beaucoup trop. Ben là, Colin. Hey, ouais, hein? Salut, Martine! Du scrap, il fait beau. Ouais, aller prendre l'air, c'est une bonne idée. Épicerie, lavage, des fenêtres. Ah! Oh, c'est bon, ça! Yannick, j'ai pris tes chipboards, mais sans moi. En tout cas, je prends tes produits des fois, là. Je prends juste. Je fais juste un mélange de tout ça. Je pense qu'on va y aller de côté parce que ici, je sais pas à quoi ça sert, l'embout, mais je vais pouvoir faire. Donc là, j'utilise un autre col que tantôt, que celle-là, elle me fait sacrer aussi. Un jour, ma bouteille, elle va être finie, puis je vais pouvoir prendre les nouveaux trucs. C'est cute, là, les deux. Les deux, salut Sonia, mais hein, deux amis qui se croisent sur le live. Parlez-vous, là, les deux amis. Je te dis. Donc ça, je vais pas le peinturer ben. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon. Il faut que ça dépasse, mais pas en bas. Hein? Sinon, ça va se faire mal se faire. Je te laisse, mon souper est prêt. Salut, à prochaine. Joanne. Voilà, là je prends cette colle-là, mais vous pourriez prendre n'importe quelle colle. Ça, qui colle le métal. Sinon, des fois, j'utilise le fusil à colle chaude. C'est vraiment celle qu'on vous préfère parce que c'est pas personne qu'on peut se parler. Moses, oui, hein? Mais parlez-vous. Parlez-vous, on vous écoute pas. Pas vrai, on va vous écouter pareil. Je pense que je vais prendre mon fusil à colle chaude parce que je suis pas patiente. Comme ça, ça va aller plus vite. Je m'étais sorti ça, mais j'aime pas ça. Fait que là. Ça se peut que je les rouille toutes ou pas. Parce que je trouve que leur couleur fit aussi. Vous savez qu'on peut couper du métal aussi. Bonjour Wendy! C'est quoi? C'est un truc qui se met pour mettre des embellissements dedans. Décorer sur notre table. Ouais. Je voulais mettre ça comme ça. Juste un peu de fusée à colle. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut couper du métal. C'est pas quelque chose que je vous apprends. Vous avez vu en masse faire ça. On peut se couper les doigts aussi. Les chats, là, ils sont vraiment en train de se battre. C'est fou, raide. En dessous. Tiens, voilà. C'est sûr que... Je me suis pété les doigts. Puis, je vais peut-être aller chercher un autre chipboard, ça ne fera pas long.
Je ne sais pas si ça va faire beau, mais des restants de cette semaine. Botte à boire. Hein? Attention, botte à boîte. Botte à boîte, je comprends pas. Au bas de ma boîte. Ah, ça va bien. Je comprends pas ce que tu dis. Oh, au bas. Ben oui. Je viens de comprendre. Attendez, regardez. Tadam! Là, j'étais là, bas, il n'y a rien de décollé, mais j'ai tout hors décollé. Merci, gang. Chance d'être là. Chance que vous aidez mon petit TDAH. Voilà, ça ne dépasse plus. Mais là, elle ne va plus trop bas, là. Tout est parfait. Tout est parfait. Puis ça aussi, on va le mettre par là. Là, entendez-vous mon chum, il joue aux jeux vidéo avec ses amis. Vous êtes mieux de m'aimer de même. Salut Pamela! Donc voilà, ça semble un peu sec. J'ai le goût de mettre de la rouille, mais pas d'en mettre partout. Faire un effet rouille, puis vu que je suis dans les turquoises, ça va être pas pire. Des fois, là, j'aimerais ça virer la caméra quand Miss a fait des dégâts, parce qu'elle est en arrière, elle est grimpée sur un vieux cadre. Puis là, elle est drôle. Salut Joël! Puis elle attend. En tout cas, les deux s'attaquent. Fait que pour eux, je vous filme ça des fois. Ce sera pas long. Je vais chercher un ingrédient. Je vais aller chercher du cisail pour en mettre un petit peu. Je suis quasiment à part en retard. J'ai un petit peu, mais il est trop gros. Non, m'attends. Je ne sais pas si je vais le mettre. Non, bon, ça fait trop pauvre. Vous l'entendez pas, mon gamer? Écoute, moi, je l'entends. Va-t'en à droite! Va-t'en à gauche! Il y a quelqu'un à l'arrière! Écoute, c'est vraiment le fun, un gars qui game. C'est malade. C'est malade, malade, malade. Bon, mais c'est pas grave, il y a du plaisir avec ses amis. C'est ça que je me dis. Puis moi, je vous parle tout le long, fait que je suis pas mieux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça. C'est juste que des fois, c'est drôle. Des fois, il game en anglais, fait que là, moi, je ris. Mais bon, j'ai pas rien à dire au niveau de l'anglais. Je suis pas super bonne. Donc là, on avait mis du turquoise, donc là, je vais venir m'amuser un peu avec la rouille. Ça sera pas un live qui va être super long parce que, vu que je fais pas l'intérieur. Fait que là, je veux juste m'amuser à faire des effets rouille. Celui-là, je le disqualifie. Celui-là aussi. Peut-être pas. Et voilà. Un ado. Ah, ouais. Moi, il fait voler un drone. Ah, mais c'est bon, c'est idéal. Mais là, en plus, Martine, toi, aujourd'hui, est allée te chercher un chat. Fait que ça, c'est correct. C'est juste parfait. Fait que ça va être pour après. Je vais y aller avec le plus foncé. Là, j'ai changé, hein. C'est la pâte rouille. Donc. Moi, non, pas dans. Ben. My English is not always good. Savez-vous quoi? Tu sais, j'avais mon Zoom là, que j'ai gagné là, avec mon mentor. Puis là, hier, ils m'écrivent dans l'après-midi. Cindy, on n'a pas de traducteur. Est-ce que tu veux traduire en anglais? Oh my God! J'ai dit, bah, pas sûr, pas sûr. Fait que là, c'était vraiment drôle. Fait que là, finalement, je me suis trouvé un traducteur parce que sinon, j'aurais déparlé de toutes choses. Ça aurait été magnifique. Là, j'essuie bien mon pinceau parce que je veux comme faire un effet brossé, mais il n'est pas. Tu sais, il n'est pas si mouillé. Donc. Je vais mélanger la peinture. Ça dépend. Des pigmentations ne sont pas toutes avec des gros grains.
dis de même. Hein. Ils sont pas toutes avec des gros grains. Moi, je la travaille en tapotant. Souvent. Puis, comme je disais, j'en mettrai pas partout. Je le ferrouille. Mais je vais en mettre un peu aux endroits que j'ai le goût de venir travailler. Je commence par le plus foncé. Puis après ça, on va y aller avec le plus pâle, puis on va en mettre moins. Voilà. Si vous avez des questions, hein, vous m'arrêtez. Ben, en fait, vous ne pouvez pas m'arrêter, mais vous me les posez. Ça me fait plaisir. Donc, je ne voulais pas tout enlever l'effet métal. Mais je veux quand même en enlever. Donc, je refais la même chose. Je suis mon pinceau. Fait que là, j'y vais avec le plus foncé. On peut faire, tu sais, quand ils sont où mes kits? En tout cas, bref, on, tu sais, on aurait pu faire comme ça. Tu sais, faire un kit de 3, puis on y va à 3. Mais là, moi, je vais m'amuser avec les bleus. Après ça, un petit peu de blanc, puis je vais revenir jouer avec ça. C'est ce que j'aime bien des kits rouilles, c'est qu'on peut superposer les couleurs. Je vais essuyer bien mon pinceau, puis je vais le faire sécher avant de continuer. Pas le pinceau, mais la création. Je vous fais voter. Pensez-vous que les écoles vont recommencer ou pas? Répondez-moi donc à ça. Parlez pas tout en même temps. Alors, dites-moi, est-ce que les écoles vont recommencer ou les écoles vont arrêter? Salut, Lorraine! La sorte de peinture, c'est la Fabrica Décoru. C'est une sorte de peinture rouille. Donc, j'y vais avec une autre couleur que j'ai superposé en tapotant. Comme je disais, je ne veux pas tout mettre bleu. Là, je viens superposer. Un peu comme ce que je faisais avec les métalliques. Il y a tout le temps la couleur de fond qui est plus foncée. Puis là, on superpose. Oui, hein, ça va recommencer graduellement. J'ai hâte de voir comment. Travaillant dans les écoles, j'ai bien hâte de voir quel va être mon rôle. Oui, la santé mentale de tous, effectivement. Parents, les profs sont pas contents, par exemple. Je sais pas, j'ai-tu des profs qui m'écoutent? Les profs sont pas contents que ça recommence. Ah, oh, je vais sécher avant. Ils ont un peu peur de voir ça va être quoi la charge de travail. Mais tu sais, ils disent les parents ont le choix. Je suis d'accord, mais si les deux parents sont appelés à travailler, ils n'auront pas le choix. En tout cas. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, ça ne sera pas évident. Mais en même temps, c'est quasiment mieux que ça reparte avant les terrains de jeu. Je pense que oui. C'est plus. Oui, beaucoup de stress, effectivement. Je ne sais plus par cœur quelle couleur tu as pris, Caroline. Donc là, j'y vais avec Green. Il m'envoie Green. Connaissez-vous Green? OK, je vais arrêter. Green, molle. Imaginez, je disais Green, molle. En tout cas, bon, c'est vendredi, j'ai le droit de dire une niaiserie. Je me trouve drôle tout seul, et boy, hein? Je peux bien chialer après mon gamer, mais regardez comment je dis des belles niaiseries. ouais, les garderies, ça sera pas facile. S'adapter, je vais mourir de rire. Excusez, là, c'est ce que moi, au lieu de green, je disais green. Vous voyez bien que mon anglais est pas bon? En tout cas, bon, on va laisser sécher, puis je vais changer de sujet.
Ah, super. Mais Caroline, ça va faire un beau résultat. Regarde comment ça fait beau. Là, je vais y aller avec le petit beige. Moi, les consignes. Mais à date, là, dans les services de garde d'urgence, moi, c'était pas si pire. Mais je sais que certaines écoles, c'était quelque chose. C'est vrai, Martine, tu fais ça, toi, service de garde en milieu scolaire. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Salut, Audrey! Bon. C'est quoi le titre de cette couleur que je change d'idée? Gray beige! Ah, ben, ça, c'est pas si pire. Hein? J'y est arrivé. Donc, cette peinture-là, moi, je l'utilise de même. Il y en a qui vont l'utiliser à toute peinturer, mais le but, c'est que ça fasse un effet rouille. Donc, si tu liges, ben ça fait moins beau. Donc, il faut s'amuser à venir faire un dégradé intéressant. En tout cas, moi, j'aime ça. Mais c'est pas les goûts de tous. Puis là, avec le beige, bien, je m'amuse un peu sur le chipboard. Je m'amuse à dépasser. Mais pas trop. Si, admettons, la surface aurait été plus large, bien, je l'aurais mis moins. Ils sont vraiment tout le temps en train de se battre. Vous savez, hein, je vous ai dit que j'avais des chats en accouplement, mais je pense que j'en ai deux enceintes. Déjà. Puis j'en ai une autre que je vais le savoir dans quelques semaines, mais il y en a une qui a vraiment engraissé, donc ça fait quand même longtemps que je l'ai, puis elle a jamais engraissé, puis là, elle a engraissé. Je l'ai laissé plus longtemps avec le mâle pour être sûre. Puis l'autre, ben, je l'ai vu, l'accouplement, fait que je me dis qu'elle est enceinte. Ça va être magnifique. Et puis c'est vrai. Parlant de moi, là, tu sais, finalement, je faisais choisir entre celle qui était là, la rousse, la brune, les chats. Yannick, t'as manqué ce bout-là. Je montrais mes nouveaux chats que je voulais acheter. Je sais pas si Yannick regarde encore, sinon, mais j'y parle, puis elle me répondra pas, puis c'est tout. Puis dans le fond, vous rappelez-vous de ça? Qui je voulais, hein? Puis là, le vote, c'était plus de choisir la grise. Savez-vous ce que j'ai fait? Devinez. Je vous laisse deviner qu'est-ce que j'ai choisi. Parce que souvent, je vous écoute pas. Mais là, dites-moi donc ce que vous pensez que j'ai fait. On va vous répondre après. Oui? Ah! Salut, Yannick! Yannick, tu vas être contente de moi avec les chats, ce que j'ai choisi, puis tu vas rire en maudit. Mais bon. Oui, lequel que j'ai choisi? Est-ce que j'ai pris la tabi brune? J'ai-tu pris... Ben c'est sûr que je prenais la rousse red self, là, ça veut dire plus de roux. Salut Sophie, est-ce que j'ai pris la brune? Est-ce que j'ai pris l'autre rousse avec? Ou est-ce que j'ai pris deux rousses? Vous pensez que j'ai pris les deux rousses? Je vous laisse parler, mais je veux pas parler trop vite. Mon chum était découragé de mon choix. En tout cas, je vous le dis, oh, les chats tannants, les deux, les trois, t'es proche, Brigitte. Là, j'ai changé de couleur, je vais en mettre un peu moins, celle-là. J'ai-tu pris les trois? Ben, en fait, j'étais pas capable de me décider, fait que là, j'ai dit, je vais aller prendre les trois, mais vous savez que quand je fais... Quand je fais venir de Russie, ben le voyagement, c'est pour deux, ça coûte 1 000 $, puis pour un, ça coûte 1 000 $. Fait que trois, ça coûte 2 000. Fait que j'étais aussi bien d'en acheter quatre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai choisi la petite rousse, l'autre petite rousse, la brune, et j'en ai pris une crème vraiment, vraiment belle. Fait que c'est ça, maudite folle. Hein? Fait que mon chum pouvait bien être découragé après quand j'ai dit « bon... » Finalement, j'ai pas pris deux chats, j'en ai pris quatre. Fait que mon mâle, il va être ultra, ultra heureux parce que il va t'avoir des petites blondes, il va en avoir quatre. Ben quatre, non, il va en avoir sept en tout.
Hein? Fait que, salut Nancy! Shit, ouais, c'est ça. En tout cas, là, c'est quoi de dire shit, ça fait du caca. Fait que Jannick, la dernière fois, je parlais des chats, puis je me disais que avant, je jugeais une personne qui avait 4 chats, puis je me disais, ça sent les chats, puis j'arrêtais pas de chialer. Ben, croyez-le ou non, présentement, j'ai 9 chats. Ben, je vais en avoir 13. Maudite folle que je suis. Mais, c'est pour une bonne cause. j'ai un mâle Maine Coon, oui, mais c'est correct que 7 pour un mâle. En fait, les mâles, là, en fait, c'est quand le COVID va être terminé, puis je vais pouvoir les faire venir parce que c'est par avion de Russie. Ouais, les mâles sont capables. Faut jamais dire jamais. J'ai dit quoi, moi, que j'en rachèterais plus? Oh, que j'aurais jamais autant de chats, ouais. Maudite cinglée. Mais c'est ça. Quand tu connais les Maine Coon, ben t'en veux plein. J'aime beaucoup les Bengals, mais c'est les plus pestes, là. Fait que les Maine Coon sont plus doux, mais sont gauches. Des fois, ils sont très drôles. Là, j'ai mis du petit blanc un peu partout, puis là, je vois que le bleu. Il me semble que c'était celle-là du départ. Mais ça me semble, je vais y en rajouter pour que ça paraisse moins l'effet laiteux. Vu que c'est ce côté-là, puis après ça, je vais y rajouter de l'autre. Puis on va y remettre un petit peu de blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait-tu beau? Ouais, ton ami en avait 19. Là, je suis rendue juste à 13. Pas si bien. Hein? Ça se vit bien, 13. C'est un chiffre malchanceux. Ouais, c'est sûr. Fait que j'ai hâte de les avoir, mais tu sais, pour l'instant, ils sont chez l'éleveur, ils sont super bien. Elle m'a envoyé des vidéos. Ils sont belles. La petite crème est plus vieille, elle a 1 an, donc je suis déjà en amour avec. Tu sais, c'est un éleveur que j'ai déjà acheté des chats, fait que je sais qu'il arrive en bonne santé. Salut Karine! Donc, c'est ça. Fait que là, vous croirez bien que moi, j'ai une femme de ménage qui s'appelle Maman, mais qui fait des ménages. Donc, je lui ai dit... J'ai pas dit d'en acheter 4, ben non. Oups! En tout cas, je lui ai dit qu'elle allait... Elle allait venir plus souvent à partir de quand j'aurai mes nouveaux chats parce qu'à un moment donné, ça en fait, hein, du poil. Fait que ce fut drôle. Pensez-vous que j'ai fait un bon choix? Il va falloir que je demande une subvention pour... je vais sécher. Subvention pour nourrir mes chats. Parce qu'après ça, le moins, quand ils auront plus de portée, là, je serais pas capable de les prêter ou de les donner à quelqu'un, là. C'est comme mon chien est ici jusqu'à la fin, là. Moi, j'ai été triste de laisser partir mes 2 autres chiens. Fait que là, je suis dans la merde. Bon, fait que je veux mettre un petit peu plus de foncé ici, puis après ça, du blanc, puis ça va être beau. Il est pas long, mon live, hein, mais c'est pas long peinturer des affaires efférouées. Mais bon, je vais vous montrer le tirage après. Puis, je vais y ajouter un petit peu parce que c'est très, très pâle, hein? Très pâle. Donc là, vous pouvez me répondre ici, mais je vous dis en primeur, ça va être quoi ma question? Est-ce que vous aimeriez mieux un live samedi après-midi, samedi soir ou dimanche après-midi ou dimanche soir? Qu'est-ce qui serait plus fun? Vous pouvez déjà répondre, puis sinon, mais ça va être ma question. Vous pouvez le faire ici ou salut Catherine ou ailleurs.
Non, je peins pas des chats. Je devrais vendre mes peintures pour essayer de m'en racheter d'autres chats. Ça serait une bonne idée, hein? Là, ce que je fais, je repasse un peu partout, mais en tapotant parce que je trouvais ça trop pâle, puis je vais le reparler. Il y a dimanche soir, dimanche PM. Mettons que je fais dimanche soir, il va falloir que je chante comme si j'étais la voix. Et boy, pas sûr qu'il va y avoir grand monde qui va m'écouter. Ah, j'oublie tout le temps de sécher. Dimanche soir, dimanche après-midi. Il annonce beau en fin de semaine, je pense, par exemple. J'aimerais ça aussi en fin de semaine préparer mes kits de mix média. Pour les filles de cartes, il faudrait que je fasse des beaux kits de cartes. Qu'est-ce que ça a dans des kits de cartes? Qu'est-ce que ça a dans un kit de cartes? D'habitude, j'en fais pas. Je vous en pose des questions aujourd'hui. Dimanche soir. Salut Lynn. Soit que je fais tout de suite un kit mix média, soit que je fais un kit carte. Mes kits cartes vont avoir du fun dans mon usine. Moi, j'en mets autant qu'une page. Dans un kit, non, je fais pas de cartes. Jannick, fais-tu des cartes, moi? Aimes-tu ça faire des cartes? Jannick me connaît très bien. Elle va vous répondre. Ah, ouais, tu mets autant de. Ouais, mais c'est de travailler en petit. J'aime pas ça. Pourquoi tu peux pas tout aimer, hein? Moi, je suis pas parfaite. Pas parfaite. Mais tu sais, avant, j'aimais moins les chats, puis j'en ai plein. Fait que peut-être que je vais me recycler en carteuse bientôt. Pensez-vous? Je suis pas sûre. Oui, Jannick a fait des cartes. Non, Jannick, elle sait que moi, je fais pas de cartes. Oui, Jannick a fait des cartes. Je sais. Elle est bonne, elle, dans ces affaires-là. Hey, ça s'en vient pas pire, mon petit dégradé de turquoise. Seulement lors des crops. Enveloppe, papier à fleurs, embellissement, photo imprimée. Mais c'est pour vrai, l'effet rouille, là, c'est du tapotement puis des couches, dans le fond. Fait que là, quand on voit, on laisse sécher, on attend. Puis c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir juste des pinceaux brossés. Mais tu sais, celui-là, il y a les... C'est un gros pinceau, puis... Seigneur, ils se sont fâchés. C'est un gros pinceau, puis les poils sont durs, fait que c'est pas si pire. C'est pas grave, c'est pas grave. Zoothérapie, oui, effectivement. Martine, tu dois être contente d'avoir eu ton chat. Fait que là, c'est sûr que je vais peinturer en dessous. Mais pas une grosse couche de peinture parce que je veux pas que ça soit plus dur à tenir. Je vais venir atténuer un petit peu. Fait que c'est vraiment facile, hein, faire les pâtes et ferrouilles. Et puis j'en ai pris 5, mais on aurait pu faire les filles avec 4. Ça dépend tout le temps. Moi, j'aime ça bien, mais bien mixé. Souvent, j'en mets 5.
sais, je vous l'ai déjà dit, je suis petit croton dans petite vie. Fait que. Je sais pas si mon chum aimerait pas en moi ou à ses amis. C'est pas très grave. Ça doit être à ses amis. Fait qu'on pourrait faire tout le tour de même. Mais moi, j'aime bien que ça soit juste le devant, qu'il soit comme ça. Pas trop chargé. Celle-là, je ne l'ai pas pris. Tantôt, je voulais mettre de la petite paille, mais j'aimais pas ce que ça faisait. Je peux peut-être m'en mettre un peu moins. Mais je trouvais que ça faisait coco de Pâques. Non, j'aime pas ça. Il aurait peut-être fallu que je le mette avant de coller la fleur, ça aurait été plus beau. Ça aurait été plus beau. Fait que c'est sûr qu'on pourrait mettre un titre, un mot acrylique. Ah, ce serait peut-être beau un mot acrylique blanc. De l'imcitron, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de voir si je pourrais mettre un petit mot là, ici. Ça serait beau. Ben, ça fitrait, là, dans la salle de bain, tu mets des petites lingettes ou des petits tampons démaquillants, puis tu mets des débarbouillettes ou tu mets... Ça peut faire super beau. Effectivement, c'est pas obligé d'être pour le bricot. Juste, ça dit sur le... Voyons, sur le... Pas tout sacré à terre. Ça dit sur le bureau, mais c'est pas obligé d'être sur le bureau. J'ai-tu des mots blancs, moi, là-dedans? Pensez-vous que j'ai ça? Je pense que oui, mais je sais pas si... Je sais pas si ça fit. Ouais. Je pense que ça va être lui. Bon, je vais-tu dans le blanc ou dans le gris? Noir, c'est trop noir. Non, je pense que j'aime mieux blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je mets un petit blanc? Il me semble que oui. C'est loin, mon bac, désolé. Puis, j'aime... Donc, on pourrait l'utiliser comme Martine, tu disais. On pourrait le mettre dans nos choses à mettre au quotidien. Ah non, Cindy, tu pourras pas mettre ça. Blanc, hein? Ah ah, j'étais pas pire. Puis là, t'en vends-tu encore, Yannick, de ça? Parce que, il me semble que oui. Il me semble des mots acryliques. Tu en as. C'est un vieux mot que j'avais décollé. Sinon, si c'est pas le mot quotidien, elle en fait plein d'autres. Ah, gris, je l'ai montré tantôt, mais c'était pas beau. Parce que ça fitera pas avec le dedans. Turquoise. Non, j'aime pas ça. S'il y avait eu des beiges, ça aurait été plus beau. Pour les mots acryliques, là, de la colle transparente, ça fait vraiment bien. Colle chaude aussi, mais ça fait des petits filaments. C'est simple, hein, mon petit live aujourd'hui. Il est quelle heure? Oui, il y a plein de nouveaux mots. Hein. C'est ça que je pensais. C'est un vieux mot, mais quotidien, elle l'a peut-être plus. Mais ça, c'est tellement le fun sur des pages ou même sur des cartes, les filles qui font des cartes ou sur les créations altérées. C'est juste parfait. Donc, voilà, ça pourrait aller en décoration où on veut. Puis, c'est simple. Petite décoration. Puis, on est content. Puis, l'effet rouille, ça fait quand même bien. Je vous ai demandé, c'était quelle heure, hein, mais j'ai ma montre. Attendez. Hey, je sais pas si pire. Une heure. Crime. M'en viens bonne. Voulez-vous que je vous montre le prix qui va être tiré? 8h30. Hey. Je pense que c'est le live le plus vite, mais je pourrais peinturer ici, mais ça sert à rien. C'est pas une étape qui est le fun pour vous. Puis, je suis pas sûre que je vais prendre ces peintures-là. Parce que vu qu'il y a un effet laiteux, velours, ben je veux que ça soit un effet soft. Ou peut-être même que je le peinturerai pas parce que
personne ne regarde en dessous, puis ça sert à rien. Et l'intérieur est... Et craft. Donc, prochain tirage que je fais. Je vais vous poser des questions. Encore une fois, ben vous le savez, une des questions, ça va être c'est quand vous voulez le live. C'est dans soit dimanche ou samedi, vous choisirez. Puis il va y avoir une autre question de mon cru. Ceci va être à vendre, pas à vendre, à donner dans le prix. Donc, c'est un petit tapis. L'emballage est jauni, mais pas le truc à l'intérieur. C'est comme bizarre. En tout cas, bref. Un tapis de Cuttlebug, des petites enveloppes et des vieux badges de Noël. Donc, voilà. Voilà ce qui va être tiré prochain tirage. Et je vais le tirer soit samedi ou dimanche, tout dépendant de ce qui va gagner. Ça me fait plaisir de passer un vendredi soir avec vous. Salut, Émilie, t'arrives à la fin, je vais te montrer. J'ai eu du plaisir, puis c'est sûr que c'est moins long, mais au moins ça vous montre comment utiliser les pâtes rouilles. Puis tu sais, ça se transfère avec les pâtes de fine à beurre, hein, je le répète. Puis on aurait pu mettre un stencil en dessous, on aurait pu rajouter des affaires, mais je trouvais ça plus délicat et plus simple. Et peut-être que moi aussi, il va être dans ma chambre de bain en mettant des petites lingettes démaquillantes ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un beau projet puis ça paraît bien. En tout cas, je vous dis un gros merci. Puis, venez me parler en privé si vous voulez les kits. Il m'en reste 3 bleus, 1 jaune. Les kits de cette semaine au coût de 20$. Et pour celles qui ont commandé Fabrica Décoru, la commande, elle est partie. Alors, j'ai juste hâte qu'elle arrive. Bonne soirée, gang. Vendredi, allez prendre une coupe de vin. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Bye, bye.